Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va essayer de changer un petit peu l'ordre des choses en faisant une pratique pour détendre votre dos. Et je vais donc vous donner 5 postures de yoga faciles pour vous permettre de vous détendre le dos. Donc installez-vous confortablement, prenez si besoin un tapis. Alors effectivement, si vous êtes dans les transports, ce podcast ne sera pas très adapté. Et prenez votre temps. Et pour l'instant, vous allez vous mettre debout. Tranquillement, on va tout doucement lever les bras. Les paumes se regardent et on va lever les bras juste au-dessus de la tête et s'étirer. Geste tout simple mais qui peut vous faire du bien au dos, surtout si vous êtes assis toute la journée. Prenez le temps de respirer dans la posture. Tranquillement, revenez tout doucement à votre position de départ. Donc, les pieds écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps, dans la posture de la montagne. Observez éventuellement si cela vous fait quelque chose. On va à nouveau recommencer, relever ses bras vers le sommet de la tête et descendre le buste vers l'avant dans la pince debout et vous descendez selon vos possibilités du moment. Le but n'étant pas de forcer, on a chacun nos propres limites. Prenez votre temps. Prenez toujours le temps de respirer dans la posture. Et tout doucement, on va venir se redresser en pliant les jambes. Relevant le bras vers le sommet de la tête et on revient prendre la position de départ. Donc ça, c'est la posture de la pince qui peut vous soulager un petit peu le dos. Ensuite, une autre posture, celle du chat et de la vache. Alors venez vous mettre à 4 pattes, les bras et les jambes écartées de la largeur de votre bassin, le dos est droit pour commencer. Et vous allez venir faire des petits mouvements, donc le dos rond d'abord, rentrant la tête un maximum, et tout doucement, peut-être même sur une respiration, venez tranquillement creuser le dos. Le mouvement part du bas du dos et finit par en dernier la tête. Ainsi, vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient, tranquillement. Surtout, écoutez vos limites. N'oubliez pas que c'est peut-être la chose la plus importante. Et si vous allez doucement, il n'y a pas de raison de vous faire mal. Revenez avec le dos droit et on va se mettre en posture de l'enfant. Donc, les fessiers viennent se poser sur les talons tranquillement, la tête au sol. Si jamais c'est compliqué pour vous au niveau des genoux, venez mettre un coussin entre vos talons et vos fessiers. La posture de l'enfant est idéale pour retrouver calme et concentration. Enfin, une dernière posture. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Les bras en croix écartés de chaque côté du corps. Venez plier les jambes vers votre buste. Les pieds au sol. Et on va basculer les jambes d'un côté et la tête de l'autre. Les épaules reste au sol. On revient tout doucement au milieu et on fait la même chose de l'autre côté. La variation d'une crocodile est une bonne posture aussi pour vous détendre le dos. C'était 5 postures pour vous détendre le dos. N'hésitez pas à les faire comme vous le sentez. Surtout, écoutez-vous. Le but là n'était pas de rentrer vraiment comme on le fait dans une séance de yoga, mais de vous donner peut-être des clés pour vous soulager le dos. Donc, j'espère que cela aura pu vous aider. Bonne journée à vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.